Madame, monsieur, bonjour, nous sommes le 26 avril 1900. Depuis quelque temps, on signalait une vive agitation parmi les ouvriers et les ouvrières employés dans les nombreuses blanchisseries de Boulogne-sur-Seine. Ces employés demandaient une réduction du temps de travail tout en conservant le même prix de la journée. Les patrons n'ayant pas fait droit à leurs réclamations, environ 1500 blanchisseurs et blanchisseuses se sont mis en grève hier matin. Ils ont tenu plusieurs réunions dans les débits de Boulogne et ont décidé de faire une tournée dans les régions de la banlieue où sont établies les blanchisseries, afin d'engager leurs camarades à les imiter. Nous croyons savoir que la préfecture de police a pris dès hier soir des mesures de nature à empêcher tout désordre ou toute entrave à la liberté de travail. Le ministre du Commerce du Royaume d'Italie, M. Salandra, est arrivé à Paris. Le ministre vient assister à l'inauguration qui aura lieu dans quelques jours du Palais de l'Italie, édifié par cette puissance dans la rue des Nations. L'inauguration du Palais de l'Allemagne, qui avait été annoncée comme devant bientôt avoir lieu, devra par contre être retardée de quelques jours. Ce n'est pas avant le 15 mai qu'il pourra y être procédé. La cause de ce retard provient surtout de ce que les tableaux envoyés par l'empereur Guillaume pour être exposés dans le pavillon ne sont pas encore arrivés. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.